Alors que les autorités de transition ont informé par écrit la CDAO de l'incapacité de tenir les élections législatives et présidentielles au délai initialement prévu, l'organisation sous-régionale, au cours de sa troisième session extraordinaire tenue le 6 novembre courant à Accra, a toutefois imposé une interdiction de voyager et un gel des avoirs financiers à la junte, au gouvernement, au CNT, à leurs familles, ainsi que des groupes identifiés. Elle a aussi invité l'UA, l'ONU et l'Europe à faire de même et promet en outre d'autres sanctions le mois prochain. Quant à la France qui tire les ficelles de toutes ces sanctions de la CDAO contre le Mali, elle dit vouloir apporter son aide à l'organisation sous-régionale. Au vu des recommandations prises, il y a plus de peur que de mal, mais la question qui est sur toutes les lèvres est la suivante, s'achemine-t-on vers une véritable strangulation lente mais inexorable de notre pays si seulement si les progrès que veut la CDAO, même au détriment des intérêts du peuple malien, ne sont pas réalisés ce qui se dessine n'est rien d'autre qu'un complot venant de l'intérieur du pays contre la transition entretenue par la France et la CDAO. Sans contexte, il est clair que la pomme de discorde, c'est bien la tenue des Assises nationales de refondation, ANR, et le respect des dates des élections législatives et présidentielles. D'un côté, la CDAO tient fermement à ses sanctions tant que le Mali n'a pas respecté les engagements pris de l'autre, le Mali qui poursuit inexorablement sa refondation en posant le premier acte que sont les Assises rejetées par la CDAO pourtant passage obligé, côté transition, pour les élections fermement exigées par la CDAO. Pour l'instant, nous assistons non pas à un dialogue de sourds, mais un jeu de ping-pong entre des prétendus adversaires qui se pèsent et sous-pèsent, chacun espérant que la balance se penchera de son côté. Si la mission de la CDAO est de nature à aider le Mali, pourquoi est-elle si réticente à l'idée même de la tenue des assises nationales, malgré les explications fournies par les autorités de la transition Pourtant, à analyser de près, ces assises nationales sont censées apporter du sang neuf dans notre système de gouvernance que la CDAO ne cesse d'exiger à ses États membres. Et pour cause, la CDAO dit exiger la bonne gouvernance, ces assises nationales sont le levier pour y parvenir, la CDAO exige la tenue d'élections paisibles et sujettes à moins.